Bienvenue dans les anniversaires du jour avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, et aussi Joe Pesci, Burt Young, et Treat Williams. C'était hier, bien sûr, tous les chemins mènent à Leon et Morricone. Il était une fois en Amérique. On s'était quitté là-dessus. On se retrouve pour les anniversaires du jour avec Gérald et Olga et Mireille en invité. Et devinez quoi ? Aujourd'hui, devinez qui ? Philippe Jarouski. Philippe Jarouski. C'est Lionel Esparza, bien sûr. De Maria Callas. Avec Maria Callas ici. Dans les disques de légende de Lionel Esparza sur France Musique, notre radio préférée. Et d'ailleurs, en parlant de Maria Callas, bien sûr, vous pourrez écouter ou réécouter le journal intime de Maria Callas qui nous a captivé cette fin d'été 2021. Vous êtes dans l'anniversaire du jour. Bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 2 décembre. Vous êtes nés comme le grand peintre Georges Seurat. Maria Callas, immense, immensissime, soprano, chanteuse d'opéra légendaire, Gianni Versace. Plus près de nous, Fabien Lecoeuf, Dani Pujadas, Philippe Echtebest ou Lucie Liu, Monica Seles, Michael Youn ou Arthur Jugnot, sans oublier bien sûr Britney Spears. Alors vous allez voir, ça va être le grand écart aujourd'hui. On quitte Maria Callas et ça c'est l'effet des... Allez hop, nous aussi on quitte la vibes. Un petit coup de Britney Spears puisqu'elle a 40 ans aujourd'hui, après avoir défrayé la chronique Britney. Mais on se quitte, nous, avec un coup de cœur à partager, un conte de fées signé Marc Esposito avec Edouard Baird, dont c'était l'anniversaire hier, face à Benoît Mégimel. Ça s'appelle Mon pote, la musique est signée Calogero. Et nous, on vous dit à demain. À demain.